Salut à tous, voilà, c'est le petit cours bonus des vacances. Malheureusement, on n'a pas pu faire de concert, malheureusement, on n'a pas pu répéter. Voilà, espérons qu'on pourra reprendre ça bientôt. Je suis désolé, je voulais vous faire quelques petits tutos surprises, mais j'ai eu des petits soucis de santé pendant les vacances, ça n'a pas été possible jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, pour reprendre la main, avant lundi, les cours en présentiel, je vous fais quand même un petit cours ou deux, voir peut-être si j'ai le temps. Voilà, en espérant que vous allez bien. Nous sommes jeudi 31 décembre 2020. Demain, nous serons en 2021. Et c'est parti, on va faire un petit tuto sur Lady de Mojo. En fait, comme j'expliquais dans la vidéo pour les pianistes, nous allons faire un petit concert acoustique un soir incognito sur Facebook, Instagram. On va diffuser ça en direct. Voilà, donc avec Cléa, la petite chanteuse, et puis peut-être, j'espère, des invités. Voilà, tout en respectant les règles sanitaires, bien sûr, mais on vous fera participer virtuellement à ça, si vous le souhaitez. Je vous enverrai tous les liens, tout ce qu'il faut en temps voulu. Là, aujourd'hui, on va essayer de faire un petit morceau avec plusieurs versions aussi pour les débutants et pour les un petit peu plus confirmés. Je vous fais écouter la chanson. Pendant ce temps, je vous laisse vous accorder. On va partir du niveau débutant, vraiment tranquillou. Et puis après, au fur et à mesure de la vidéo, vers 10, 15 minutes, 20 minutes, je pense, du tuto, je vous montrerai des petites choses à faire en plus. Alors, on va remettre la vitesse normale pour l'écoute. Et c'est parti, pendant que vous vous accordez bien, bien, bien. Et moi aussi. Capot case 6. Dernier, il va falloir que je vous fasse un petit raccourci. Il marchera bien comme ça. Il marchera moins bien comme ça. Ok, j'ai mis le capot en case 6. Si vous n'êtes pas accordé, que vous avez été chercher votre capot, vous faites une petite pause sur la vidéo. Moi, je vais attaquer les explications pour ceux qui sont déjà prêts. Alors, on a une petite boucle d'accord et je vais rapprocher la caméra de la guitare pour que vous reconnaissiez bien. On ne va pas le jouer vite au début, vous inquiétez pas. La chanson va vite, mais nous, en concert, on le joue en acoustique, version lounge. Très cool. Alors, qu'est-ce que je fais ici? En fait, je ne vais pas utiliser beaucoup de doigts. Alors, je pars sur les débutants, débutants, débutants. Je pince la première corde du bas, encore, toujours en partant du bas, dans la case 2 après mon capot. Corde 1, case 2. Alors, le doigt idéal, ce serait de prendre l'annulaire. Mais les petits touts et les enfants qui vont faire ce cours, ils n'arriveront pas à faire annulaire petit doigt. Voilà, c'est assez difficile. On n'a pas encore toute la motricité quand on a 7, 8 ans, 9 ans. 9 ans, ça commence, mais jusqu'à 8, c'est difficile. Parce qu'il va falloir passer de ce son-là à ce son-là. Donc, on pourra utiliser les doigts qu'on veut si on est enfant, débutant. Donc, on pincera la corde 1 dans la case 2. Et avec un autre doigt, comme ça, le doigt suivant, hein, bien sûr, eh ben, je vais m'amuser à pincer la même corde 1 dans la case 3
pour changer le son de mon accord. Donc la première étape pour les débutants ou débutants, c'est de faire ça. Alors attention, avec le médiator, je ne joue pas toutes les cordes du tout. Je vais essayer de toucher que les trois dernières. D'accord ? Alors, s'il y a déjà des niveaux intermédiaires qui sont là, vous faites la même chose, mais en utilisant l'annulaire pour la case 2 et le petit doigt pour la case 3. Pardon. Et les débutants, peu importe le doigt, on va juste essayer de faire un petit bas-haut. Quand mon doigt est positionné sur la corde 1, case 2, vous faites juste bas-haut. Bas-haut. En essayant vraiment de viser que les trois dernières cordes. Bas-haut. Et une fois que vous avez fait votre petit bas-haut, vous essayez de couper le son en collant votre main sur les cordes ici. Hop, vous en profitez pour poser le deuxième doigt. Donc, case 3, corde 1 toujours. Hein. Et là, on va faire un seul petit coup vers le bas pour les débutants. Pour les niveaux un petit peu intermédiaires et avancés, vous faites bas-haut aussi. C'est-à-dire qu'on va faire bas-haut sur le premier accord, c'est-à-dire que ici, on est juste sur l'accord de 1, case 2. Vous faites bas-haut, bas-haut et bas-haut. Là, ce que je viens de faire, en rajoutant le doigt sur la corde 1, toujours, mais case 3, je remonte doucement. Hein. Bas-haut, 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 bas-haut. D'accord, j'alterne en fait ces deux notes, c'est-à-dire que une fois j'ai juste mon index sur la corde 1, case 2 après le capot, première corde après première corde et deuxième case après le capot, et je fais un bas-haut, et après je pose ce doigt-là sur la même corde 1, mais dans la case 3, et je fais un petit bas si je débute, et je fais un bas-haut si je me sens. Ça donnera bas-haut, bas-haut, et un petit blanc. Bas-haut, bas-haut. Voilà, je recommence en fait. Et je vais faire ça 4 fois. Ça, c'est le premier accord. Donc, je dois faire ça 4 fois. Bas-haut, bas-haut. Bas-haut, bas-haut. Essayez d'avoir le même rythme que moi. Bas-haut, bas-haut. Bas-haut, bas-haut. Ok. C'est le moment pour les débutants de faire une pause sur la vidéo et de vous entraîner à faire ça. Le deuxième accord. Une fois que vous avez fait la pause et que vous avez bien bossé votre bas-haut, bas-haut. Visez que les trois dernières cordes du bas. C'est super important. Si vous touchez un peu la 4, c'est pas trop grave, mais je préfère vous dire de viser vraiment que les trois premières. Ensuite, deuxième accord. Alors attention, cette fois-ci, on va utiliser plus de doigts. Pour le deuxième accord, et alors là, aussi bien les débutants que les intermédiaires, que les bons niveaux, c'est l'index corde 2 dans la case 1. Attention de ne pas vous tromper, hein, de ne pas faire l'inverse. Corde 2, corde 1, corde 2, dans la première case après votre capot. Ok. Ensuite, corde 1, toujours dans la deuxième case après le capot. Mm-hmm. Corde 2, case 1, corde 1, case 2. Et le troisième doigt va servir à alterner, à faire. C'est-à-dire qu'une fois, je vais faire bas, haut, juste avec ces deux doigts. Corde 2, case 1, corde 1, case 2. Et après, je vais faire un bas ou un bas haut, comme vous préférez, sur le deuxième accord où je rajouterai mon annulaire sur la corde 1. Alors oui, il y a deux doigts sur la même corde, hein, c'est normal. Mais il est en case 3, lui. Ça fait. Ok, je réexplique. Le premier accord. Corde 1, case 2. Ça fait des siennes. Corde 1, case 2, on le voit dans la caméra. Et corde 1, case 3. Et là, j'alterne. Bas-haut, bas-haut,
je fais ça 4 fois. Il faut que votre petit bao, tous les débutants, les enfants, ils ne fassent pas bao, mais bien bao, très rapide. Le deuxième est un petit peu moins rapide. Vous entendez la différence entre... Quatre fois ça. C'est-à-dire quatre fois la séquence avec les deux accords. Quatrième fois. Puis je passe au deuxième accord. Je pense qu'elle est énervée. Le deuxième accord, corde 2, case 1. Corde 1, case 2. Mon canapé. Hé, oh, calmos, hein. Et je fais mon bao, bao. Le deuxième accord, c'est juste quand je rajoute le doigt ici, l'annulaire, sur la corde 1, case 3. D'accord ? Alors attention, je joue que deux fois cette séquence-là. Ok ? Donc il est temps de faire une pause pour vous, pour bien travailler déjà ces deux premiers accords. Et une fois que la pause est faite et que vous avez bien bossé ça... Je vous demande une petite seconde. Oh. Merci. Alors, une fois que j'ai fait... Quatre fois. On a les clochettes. Après, vous avez fait... Ça, c'était le deuxième accord, deux fois. Et enfin, le troisième et dernier accord. Je garde l'index sur la corde 2 dans la case 1 après mon capot. Et ici, je pince la corde 3 maintenant dans la case 2 après mon capot. Et là, je pince aussi la corde 1 dans la case 2 après mon capot. Ça nous donne ça. C'est un petit reset. Reset. Ici, corde 2, case 1. Corde 3, case 2. Corde 1, case 2 aussi. Attention que ces deux doigts sont dans la même case. Hein. Et du coup, cette fois-ci, ben, je vais devoir utiliser le petit doigt pour faire la note suivante. Je vais rajouter comme ça sur le deuxième accord. C'est toujours la même séquence. C'est-à-dire, on fait toujours un ba-o, ba-o. Enfin, un ba-o sur le premier accord de la séquence et un ba-o sur le deuxième accord de la séquence. Sur le deuxième accord, il faut toujours rajouter un doigt, en fait. Et là, du coup, hop, c'est toujours l'accord de 1, case 3 qui se rajoute. Donc, je vais utiliser tous mes doigts. D'accord ? De la même façon. Un ba-o sur le premier accord et un ba-o sur le deuxième. Et je fais ça deux fois. Je remontre bien les trois accords. Et après, je passe à la version intermédiaire. Corde 1, case 2. Et après, le deuxième accord, c'est corde 1, case 3. Donc, je garde bien, j'utilise bien deux doigts différents parce que ça va vite entre les accords. Ba-o, 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 ba-o. Et je fais ça quatre fois. Ba-o, ba-o, une quatrième fois. Ba-o. Ok, le deuxième accord, corde 2, case 1. Et corde 1, case 2. C'est cette fois-ci mon annulaire qui se rajoute ici. Sur la case 3, corde 1 toujours. Hein. Et là, je joue que deux fois. Et enfin, le dernier, je garde l'index corde 2, case 1. Je pince aussi les cordes 3 et 1 dans la case 2. Et c'est mon petit doigt qui se rajoutera pour le deuxième accord. Deux fois aussi. Alors là, les débutants, prenez votre temps, faites une pause. Revenez en arrière si nécessaire pour bien mémoriser les trois accords. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire une feuille pour celui-là, mais on le reverra en cours en présentiel si vous voulez. Je remontre vite fait, bien fait. Alors, je vais utiliser les bons doigts, moi. Normalement, c'est ceux-là. Puisqu'après, je fais...
Et ensuite, faire. Ça, on commence. Une fois que j'ai fait ça, c'est tous les couplets et les refrains. Attention, attention, il y a une partie dans cette chanson, c'est le post-refrain, c'est après qu'il est fini de chanter, une petite partie instrumentale, où là, le premier accord, il le fait que deux fois. La séquence. Hein. Après, il fait directement le deuxième. Que deux fois. Le troisième aussi, que deux fois. Il revient sur le premier. Deux fois, du coup. Ça, c'est la boucle A. Et la boucle B. On repart. Premier accord, deux fois. Deuxième accord, deux fois. Troisième accord, deux fois. Il fait un nouvel accord ici. Alors, on va refaire encore celui qui fait... On a fait comme ça. Alors là, malheureusement, avec la version capot... Avec la version capot, on pourra faire ça. Voilà, le seul truc qu'on pourra faire pour ce petit accord là en basse de fa, et ben en fait vous allez faire corde 3 case 2 et corde 1 case 3. Corde 3 case 2, corde 1 case 3 et vous ferez 1 2 3 4 5. Voilà. Alors je remontre ça, c'est un petit peu déjà plus compliqué. Les débutants ne vont pas faire ça, mais pour cette partie instrumentale qui est jouée après les refrains, on fera deux fois le premier accord, deux fois le deuxième, deux fois le troisième, et on revient sur le premier deux fois. On repart avec deux fois sur le premier, deux fois sur le deuxième, deux fois sur le troisième. Et après, vous pouvez faire. Donc, j'ai juste enlevé l'index. J'ai fait une fois comme ça avec. D'accord. Donc, j'ai gardé mon pont, en fait, sur les cordes 3 et 1 dans la case 2. Je rajoute toujours le petit doigt pour le deuxième accord. Après, je fais 1, 2, 3, 4, 5 en laissant le petit doigt. Je vous le joue avec eux pour que vous compreniez. Je vais quand même ralentir la vitesse. Parce qu'on est encore sur intermédiaire. En fait, les bons niveaux, ils vont jouer à la vitesse normale. Hop, vitesse de lecture. Moi, je mets à 75%. Sur YouTube, le morceau, il est un petit peu détuné. C'est-à-dire que ça ne sonne pas juste. Bon, c'était une façon, à cette époque-là, d'enregistrer les morceaux. Ils aimaient bien les accélérer un peu. Du coup, l'accordage, il serait un petit peu différent. Mais ça marche quand même. Alors, il y a l'intro. On fait 8 fois. Le premier accord. La chanson par là. Ah oui, pardon. Et on est déjà sur le deuxième. En fait, quand la batterie rentre, c'est le début. Premier accord. J'ai remis les bons doigts. Hein. 4 fois. Deuxième séquence, deux fois. Troisième séquence, deux fois. Je repars pour la première. Je le fais comme ça, pas de problème. Quatre fois. Deuxième. Troisième, deux fois. Attention, partie instrumentale. Seulement deux fois le premier. Seulement deux fois le deuxième. Deux fois le troisième. Je reviens sur le premier. J'ai fini deux fois ma première boucle. Je repars sur le premier.
je suis dans. Bon, j'espère que vous m'avez suivi. Donnez-moi une petite minute. Alors là, pas d'accord du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai envie que tu montes là-dessus. Petit pied. Tu fais des bêtises chaque fois que je fais des vidéos. Oh ah. Voilà. C'est dingue. Alors. Bon, j'espère que vous allez réussir à jouer ça. Pour les débutants et niveau intermédiaire, c'est tout ce qu'on va vouloir faire. On va essayer de s'accompagner avec le piano, la guitare et le chant. Juste en faisant ça, alors vous allez voir que déjà, rien que de cibler les trois cordes du bas, c'est du boulot. On va passer au niveau supérieur qui va jouer bien sûr plus vite. Les mêmes choses, mais plus vite. Et on va rajouter des petits tchac tchac comme ça, ça va faire. Donc en fait, je fais. Donc entre mes deux accords de séquence, je tape déjà une fois. Et après, moi, j'aime bien taper trois fois, mais c'est difficile. Si vous voulez taper que deux fois après, vous pouvez faire. Moi, j'aime bien faire. En fait, quand j'étouffe les cordes la deuxième fois. Pardon. Ok, donc c'est chaud de taper les trois fois, mais c'est super, ça donne un rythme vraiment soutenu. Je remonte doucement. Le premier accord, je fais donc. Quatre fois. Deuxième accord. Pardon, que deux fois. Et troisième accord, deux fois aussi. Ok, allez avec eux pour les niveaux supérieurs. Vitesse de lecture à 100%, ça speed, attention. Ah ah! Donc, 4 fois. Deuxième accord. Troisième. Sur instrumental. Que deux fois le premier. Deuxième fois. Trois. Et je reviens sur le premier. Premier. Deuxième, pardon. Attention, le pas.
Alors, il rajoute un petit truc ici. Sur la partie instrumentale, on entend. Alors ça, c'est pour les niveaux top, 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 plus, plus, plus. On va faire. Pardon, c'est haut, bas. Je fais doucement. Bas, haut. Plus doucement. Ba, o, chic, ba. Il y a un aller-retour là dans le vide. Ba, o, chic, ba, chic, ba, ba. Non, je me suis trompé. Voilà, c'est ça. Ba, o, chic, ba, o, ba. Ba, o, chic, ba, o, ba. Ba, o. Alors, c'est le ba, o, chic, ba, chic, ba, o. Sur chaque accord. Alors du coup, pardon, comme on est sur la partie instrumentale, c'est que deux fois le premier. Deuxième. Troisième. Et premier. Premier, deuxième, troisième, et dernier on fait, ça plaira à Angélique ça. Bon, j'étais un petit peu vite pour les explications, mais c'est pour que ceux qui sont un peu en niveau avancé s'amusent aussi un petit peu avec ce cours qui est super. Je vais essayer de vous faire aussi celui des Daft Punk que j'aime beaucoup là. Daft Punk, qui est génialissime à jouer à la guitare. En attendant, essayez déjà de bosser ça parce que, comme je vous dis, on va le jouer en concert très très vite, très bientôt. Voilà, écoutez la chanson, elle est un petit peu détunée sur YouTube, mais c'est pas grave. Et essayez, le travail il est rythmique et surtout ciblez les trois dernières cordes. Allez, c'est tout bon pour aujourd'hui. Un petit cours bonus, voilà, que je voulais vous faire avant, mais que je n'ai pas pu. J'espère que ça vous plaira et que vous allez bien vous amuser avec ça. Et puis, je vous souhaite un bon réveillon ce soir. Amusez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous souhaiterai la bonne année en présentiel dès lundi. Ce sera beaucoup mieux. Je vous embrasse très fort. Faites des bisous et passez du bon temps avec vos proches. Et on se voit très vite. Ciao, ciao.